Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, je suis dans le Médoc et comme c'est pas souvent l'occasion, j'en profite pour faire une petite vidéo pour faire la balade avec moi. Donc comme vous avez pu le constater au début de la vidéo, je suis sur ce qu'on appelle donc la route des vins. C'est la route principale qui mène du nord de Bordeaux jusque à la pointe de l'estuaire de la Gironde. Et le long de cette route, en fait, on trouve la plupart des grands châteaux médocains. Donc je fais une tournée aujourd'hui de ce qu'on appelle une ramasse donc du millésime 2014, puisqu'il a été libéré il y a peu. Je ferai une vidéo sur les primeurs et comment ça fonctionne très bientôt, un petit peu avant la semaine des primeurs au mois d'avril, je pense. Donc voilà, en fait, l'idée du Médoc, c'est que vous avez donc cette grande route donc qui va du sud pour aller jusqu'au nord. Et donc à droite de cette route, on longe l'estuaire de la Gironde. Et à gauche de la route, donc on va vers l'océan Atlantique, vers les plages. Je mets une petite carte par là pour que vous compreniez un petit peu. Alors, le temps n'est pas forcément au rendez-vous aujourd'hui, mais bon, il pleut pas, c'est déjà ça. Donc allez, c'est parti, on y va. On continue. Côté de la rive, en fait, se trouve le vignoble des Côtes de Bourg, Côtes de Blaye. Il y a un bac qui passe entre les deux pour faire un taxi ou un train. Donc ma journée de travail va commencer puisque je vais partir donc de Pauillac pour redescendre jusqu'à Bordeaux dans les différents châteaux où j'ai des enlèvements à faire. J'essaierai de prendre quelques petites photos.
cette route du vignoble médocain, on passe des villages, des parcelles, des bois. On a l'estuaire qui est tout à côté. On a un vignoble qui est très plat, très peu vallonné, mais on a vraiment beaucoup de types de paysages différents qui le rendent vraiment super attractif. Et puis il y a surtout ce patrimoine architectural immense avec ces nombreux châteaux, vraiment tous plus beaux les uns que les autres. C'est vraiment un vignoble à visiter si vous ne l'avez pas fait.